Alors au départ, moi je pensais que je venais voir un film tranquillement au cinéma et on m'a dit Christophe va devant sur la scène. Donc bah écoutez, je crois que vous êtes venu aussi voir un film ou vous êtes venu à l'IRFD, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas trop d'ambiance là en fait. On vous a mis une musique qui pulse et personne ne met de l'ambiance. Applaudissez-vous! Bonjour à tous. L'année dernière, je crois que je l'avais déjà fait. Waouh! Waouh! Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se retrouver pour la quatrième édition de l'IREBD. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Christophe Thiel. Je suis un des deux fondateurs de l'IREBD et je suis également gérant d'une société qui s'appelle Bluebot, une agence spécialisée en e-réputation et community management. Le deuxième fondateur de l'IREBD, il se cache par là, c'est Benjamin Romeilly, directeur de ADN Content. C'est un producteur de contenu sur des sites comme Big Geek et 24matin, pardon. Alors c'est moi qui ai la lourde tâche de commencer et également de vous présenter toute la journée, de vous accompagner sur toute cette journée. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier, car vous avez répondu, on l'a vu à notre appel, à notre vidéo teasing, hein, celle que vous avez vue avec les Tontons Flingueurs, avec R, avec tous ces films assez cultes. Et a priori, vous avez répondu assez nombreux puisqu'on est 490 inscrits aujourd'hui à l'IREBD et je pense que ça, juste pour ça, on peut juste s'applaudir, quoi. Je vous rappelle le concept, c'est déplacer 490 personnes à Mulhouse pour une journée sur des conférences sur l'e-réputation. J'ai bien dit à Mulhouse, d'accord? Entendez-le. Et oui, ça fait 4 ans en fait. 4 ans qu'on fait cette aventure. Si l'e-réputation était un enfant, on pourrait dire qu'entre 4 et 5 ans, votre enfant va découvrir les autres et faire attention à eux. Il commence à construire son imaginaire. Une période essentielle à son développement. C'est aussi le début de grandes discussions qu'il sera ravi de mener avec vous. Eh bien voilà, cette année, puisqu'on a 4 ans, je vous propose d'imaginer, grâce à ce que vous allez entendre aujourd'hui, comment les réputations de votre entreprise pourraient évoluer. Et je suis sûr que nous aurons également de grandes discussions sur scène, sur les zones de network que vous n'avez pas encore découvertes, mais que vous allez découvrir tout à l'heure, ce midi, dans les toilettes, si vous voulez, où vous voulez, on peut discuter. Alors, si cet événement existe depuis 4 ans, c'est grâce à nos partenaires. Cette année, un grand merci à WAM Référencement. Ils peuvent faire du bruit à 3. Hein, Donc c'est une agence spécialisée en référencement web qui nous vient de Lyon, donc qui nous soutient. Également Orange. Eux, ils doivent être 2 ou 3 aussi. Orange. On peut les applaudir. C'est grâce à eux, hein, que vous avez le droit à tout ça. Hein. Également la ville de Mulhouse. Ah, il veut pas applaudir. Mais bien sûr, si tous les ans on a envie de recommencer, alors j'ai envie de dire c'est grâce à vous ou c'est à cause de vous qu'on a envie de recommencer, grâce à vos encouragements, vos marques d'amitié, ça a commencé ce matin à 7h du matin, où on avait déjà des tweets, donc merci à vous. Voilà, un grand merci à vous, toute l'équipe peut vous applaudir maintenant, je pense. Je voulais juste faire une petite parenthèse car nous avons, grâce à cet événement l'année dernière, donc l'IREBD 2013, on a gagné un événement, pardon, un prix, le Grand Prix de la communication 2013 qui était décerné par l'UCCA. L'UCCA, c'est l'Union des communicants d'Alsace. C'est une compétition régionale. Alors normalement, il y a les deux trophées qui sont juste là. Voilà, c'est ce qu'on a gagné. Et ça, on l'a gagné face à de belles agences de com qui étaient représentées. Il y avait beaucoup de Strasbourgeois. Alors, je ne veux pas faire une guéguerre Strasbourg-Mulhouse, mais en tout cas, il y avait beaucoup de Strasbourgeois en compétition. Et voilà, c'est l'IREBD qui a gagné. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie et vous pouvez surtout vous applaudir. Voilà. Bon, je vais remercier plein de gens aujourd'hui, mais après, je me tais. Je voulais aussi remercier ce que j'appelle les potes en fait, de l'IREBD, qui nous soutiennent pour certains depuis 4 ans.
Alors WAM en fait partie, mais il avait changé d'échelon cette année. Mais sinon, on a Nartex également qui développe des applications mobiles. On a 2LE qui développe du web. Donc c'est une SS2I. Et vous allez aussi également pouvoir trouver la Like Machine qui sera dans l'espace de Network. Vous avez Rainbow Studio également qui fait pour moi les plus beaux sites web. Je suis pas objectif. Tadaweb, c'est pour moi une petite pépite luxembourgeoise que j'ai trouvée qui fait une solution de veille. Si vous le souhaitez, je pourrais vous le faire rencontrer, Philippe qui est parmi nous, et c'est vraiment une belle solution. Jollyfish, qui est une agence de développement québécoise qui va s'installer en Europe, et en fait, ils viennent aujourd'hui, ils nous soutiennent sur l'IREBD, mais parce que justement, ils ont considéré que l'IREBD, c'était une belle rampe de lancement pour eux. Donc merci à Jollyfish. Soddler également, et ça c'est un service, alors ça s'écrit Soddler, soddler.com. Pour l'instant ça n'existe pas, je peux vous dire, j'ai vu la démo, ils ne peuvent pas en communiquer plus que ça, mais en fait c'est un service de micro-selling où chaque utilisateur peut vendre et partager les produits de son propre espace de vente, tout en découvrant ce que les autres utilisateurs ont à vendre. Suivez juste soddler.com, ils vont en faire des annonces cet été je crois, et ça sera lancé officiellement. Il y aura des bêta tests et ça sera lancé en septembre. Suivez-les, c'est vraiment 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 bien. Et première place, une agence de marketing digital. On peut les applaudir, ouais, on peut applaudir les sponsors. Ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la ville de Mulhouse et l'agglo, qui nous soutiennent pour la deuxième année consécutive, souhaitent également vous dire quelques mots par l'intermédiaire du maire de Mulhouse, Jean Rottener, qui nous fait l'amitié d'être présent pour la troisième année. C'était enfin, quelquefois c'était online, quelquefois c'était en réel, mais en tout cas, il est là aujourd'hui, il est là en chair et en os. Monsieur le maire, c'est à vous. Jingle. Merci Christophe, merci surtout à toutes et tous d'être là. Alors, c'est pas normal qu'il y ait 500 personnes à Mulhouse. Non, non, non. C'est pas normal du tout. Je signale. Et je crois que ça va même vraiment se répéter. L'ambition de la ville de Mulhouse, comme de l'agglomération d'ailleurs, et avant tout l'ambition des chefs d'entreprise et du monde du numérique, c'est effectivement de faire de Mulhouse une des nouvelles terres d'aventure de toutes vos activités. Et pour moi, comme maire, c'est de mettre au service du monde économique, des créateurs et de tout ce que vous pouvez incarner. Alors Christophe, tu as parlé par exemple du Canada, du Québec. On est en train, avec nos amis québécois, d'essayer de mettre un partenariat en route, puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a des accords de libre-échange qui vont avoir lieu entre le Canada et l'Europe, et que pour nous, la France, je considère que nous sommes une terre d'entrée pour les Canadiens et particulièrement pour les Québécois en termes de flux d'affaires, dans les deux sens. Et je prendrai la tête d'une mission économique dédiée d'ailleurs à la nouvelle économie dès cet automne pour aller sur place. Les contacts sont en train de s'élaborer d'ailleurs avec les entreprises françaises, avec les entreprises canadiennes et québécoises, avec l'ambassade du Québec pour que cette mission puisse prendre justement cette thématique des nouvelles technologies. Montréal particulièrement, c'est une très très belle terre d'aventure dans vos domaines respectifs. Et le partenariat que nous souhaitons mettre en place entre Mulhouse et effectivement quelques villes québécoises va tout à fait dans le sens de l'avenir, je crois. Parce que l'avenir, c'est vous qui l'inventez. Nous ne sommes, nous, collectivités, qu'à vos côtés pour vous faciliter la vie, pour vous aider, pour permettre effectivement de belles réalisations comme celle-ci. Mais moi, je suis enchanté de pouvoir passer quelques instants parmi vous, parce qu'il y a une ambiance, vous avez même fait péter Facebook ce matin, c'est génial, c'est parce que l'IREBDAI est à Mulhouse voilà, et que les réseaux sont saturés. Donc c'est génial, c'est fabuleux, continuez comme ça. En tout cas, vous pouvez compter sur les élus, sur nos collectivités ici, pour vraiment être à vos côtés, pour vous supporter, pour connecter aussi des initiatives parfois différentes, des tribus qui ne se connaissent pas. C'est le rôle du maire, c'est le rôle des élus, et je salue à mes côtés la présence de Thierry Nicolas qui est en charge du numérique de mon équipe, pour qu'ensemble nous allions de l'avant et que nous devions vraiment super, super performants. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais, pour tout ce que ton équipe fait pour Mulhouse, pour le développement économique et pour l'attractivité de notre territoire alsacien. Merci.
Et je suis sûr qu'on va se battre pour garder cet événement à Mulhouse, mais je reviendrai vers vous à ce moment-là, pour qu'on essaye de le garder au plus proche de Mulhouse, ça c'est clair, c'est l'objectif que l'on a, c'est de le garder ces prochaines années. Avant de commencer les confs, un petit détail qui n'en est pas un pour vous, qui va ne pas en être un pour vous. Vous le voyez, en fait, j'ai un t-shirt qui est assez original. C'est pas MacBook, c'est Bretzel, Bretzelbook. Merci à Gaston de Bretzel Airlines qui nous a, qui nous soutient aussi sur cet événement. Et je pense que ça vous dirait bien de gagner quelques t-shirts comme ça ou des petites choses qui vont dans ce sens-là. Non, bah, faut remballer-les en fait. On va remballer. Sophie, mets-les de côté, laisse tomber. Donc je recommence. Ça vous dirait de gagner quelques cadeaux comme ça, quelques t-shirts Bretzel Airlines? Voilà. C'est bon, tu peux les remettre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que toute la journée, comme j'anime un petit peu, je vais vous lancer des défis. C'est simple, vous inquiétez pas. Faut courir, nager, enfin, vous inquiétez pas, c'est simple. On va tirer au sort après le dernier vivant du défi. Et comme l'année dernière, il y aura également un super concours. On l'avait fait l'année dernière, mais on ne l'avait pas fait trop bien. Donc cette année, il est un peu différent, ce super concours. On va faire celui qui tweetera le plus sur la journée, gagnera un super lot, donc ça sera une tablette, pas Mac. D'une autre... Oh bah écoutez, on n'a pas eu tous les sponsors qu'on voulait. Celui qui tweetera le plus sur la journée, avec un compte Twitter existant depuis plus d'un mois et ayant au moins 100 followers. Parce que l'année dernière, on a eu un vainqueur, mais qui nous a effacé après son compte. Donc du coup, voilà. On voudrait que cette année, ça soit un vrai. Voilà. Je vous ai tout dit. On attaque. Est-ce que vous voulez qu'on attaque pour lancer l'IRFD finalement? On souhaitait commencer par vous proposer... On commençait par vous... Pardon. On voulait vous proposer de commencer en douceur, mais avec une vidéo originale qui est concoctée par le rédacteur en chef de Big Geek Vidéo, Nicolas Cattard. C'est un Fresh News spécial e-réputation. Nicolas, c'est à toi. Bienvenue dans une émission spéciale où nous allons parler de e-réputation et de community management. Si vous êtes là, c'est que la thématique vous interpelle. Alors écoutez bien, cela risque de vous intéresser. Bonjour, bienvenue à Mulhouse. Nous sommes le jeudi 19 juin 2014 et c'est le Fresh News du jour spécial e-rep day. La e-réputation, c'est quoi au juste? Autant le dire tout de suite, tout ce que vous publiez sur internet, que ce soit du texte, des photos, des vidéos, et que ce soit sur le web ou via des applis mobiles, tout peut être conservé par les applications elles-mêmes ou par les sites web sur lesquels vous postez vos contenus. Et à partir du moment où ils sont publics, et parfois même en restant privés, tous ces contenus sont là à jamais, ils ne vous appartiennent plus. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a Google d'une part qui indexe tout ce que vous publiez, mais aussi les internautes qui peuvent récupérer le contenu que vous postez en ligne et en faire ce que bon leur semble. En résumé, si c'est publié, il est trop tard pour le regretter. Le contenu vous échappe et il sera la première image de vous qu'auront des recruteurs, des clients, des amis ou des ennemis qui taperont votre nom sur Google. N'oubliez pas, la e-réputation, c'est à vous de la gérer, alors ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi, car Internet n'oublie jamais. Dans le monde de la recherche sur Internet, il y a Google et le reste du monde. Il est plutôt petit, ce reste du monde. Et Google, lui, c'est à peu près tout de vous, du moins de votre activité en ligne. Et parfois, cela peut poser problème si on a un passé que l'on souhaite oublier ou si des informations vous concernant, datant d'il y a plusieurs années, refont surface et ne refaites plus la réalité. Alors comment faire pour que Google oublie ce qu'il sait de vous? Figurez-vous que c'est désormais possible, puisque le moteur, sous la pression des autorités de plusieurs pays, a accepté de mettre en place un formulaire de droit à l'oubli numérique, dont on avait déjà parlé en France en 2010 avec une charte ratifiée par plusieurs acteurs du monde numérique. Google n'avait pas signé cette charte, mais se retrouve aujourd'hui obligé de la mettre en place dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Depuis quelques jours, il est en effet possible de demander à Google, sous certaines conditions, de supprimer des informations vous portant atteinte si ces contenus sont inappropriés, hors de propos ou obsolètes. En une semaine, plus de 40 000 demandes ont été faites. Un gros succès qui ne risque sûrement pas de se démentir. Que l'on soit un grand groupe, une PME ou une petite boutique au coin de la rue, si vous êtes bon, c'est bien. Mais encore faut-il le faire savoir. Et quand vos clients, vos partenaires, vos concurrents ou des prospects font des recherches sur vous sur le web, ils verront votre site web, votre page Facebook, vos comptes Twitter et Instagram, car il faut tous les avoir. Et s'il vous en manque et si vous vous dites « il faut que je le fasse, mais je n'ai pas le temps », eh bien prenez-le et confiez-en la gestion à un community manager. Le community manager doit bien connaître votre entreprise, puisqu'il va être le premier point de contact avec votre communauté. Il doit faire bonne impression, mais aussi maîtriser les réseaux sociaux. On ne compte plus les fails, ces erreurs de communication de la part des marques qui anticipent mal les retombées que peuvent avoir un mot déplacé, une information ou une photo gênante
gênante pour leur réputation en ligne. On ne compte plus les marques qui se sont plantées et qui rament pour remonter la pente en essayant de faire oublier ces erreurs de com sur internet. Impossible de toutes les citer, mais certaines s'en sont mieux sorties que d'autres. Le Community Manager est donc là pour gérer les crises, engager la conversation avec vos visiteurs en ligne, mais aussi détecter les tendances. Il est sans doute la personne la plus importante de votre équipe de communication. Ne l'oubliez pas, sinon c'est le web qui vous oubliera, ou qui ne vous oubliera pas. Et c'est peut-être encore pire. La question du jour nous vient de Benjamin qui nous demande c'est quoi l'IREP Day ? Eh bien, cher Benjamin, l'IREP Day, c'est une journée dédiée à la e-réputation et au community management. C'est donc aujourd'hui, ici, à Mulhouse, pour la quatrième année, que des spécialistes des réseaux sociaux, du référencement, de la communication digitale sont là. Pendant une journée, il va falloir bien ouvrir vos oreilles et n'oubliez pas de sortir vos cartes de visite car vous allez voir du beau monde. Ce Fresh News spécial depuis Mulhouse est maintenant terminé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Fresh News sur biggeek.fr. Salut à tous et bonne journée. Ça y est, c'est reparti. J'avais oublié ça. J'ai oublié de vous parler de Jean-Paul. De Jean-Paul qui va nous amuser toute la journée. Je te fais un petit coucou, Jean-Paul. J'ai déjà fait quelques loupés, comme d'habitude. Je voulais juste... J'ai oublié un sponsor, en fait, qui n'est pas le moindre, parce que c'est notre sponsor principal. Renatic. Je voulais juste faire un gros big up à Renatic et vous remercier parce que voilà, vous nous avez accompagnés, vous nous accompagnez maintenant depuis 2 ans. Et voilà, on vous redonnera la parole, mais vous les retrouverez aussi pendant le repas ce midi. Voilà. Donc merci à Renatic, qui est une association d'entreprises TIC alsacienne, basée à Mulhouse, mais qui rayonne sur toute l'Alsace. Voilà, donc on peut les applaudir et les remercier.